Nous sommes les Francs Archers de Braine-le-Château, donc nous nous situons dans la plaine du Hain. Du 9e, 10e et 11e siècle, donc la caravane part de Birka en Suède, Novgorod, Russie et Byzance en Orient. De Franchimont, frappe de monnaie, forge, cuisine médiévale dans la plaine du Hain, ici plus bas. Merci à vous. La compagnie suivante que je vois, c'est la Confrérie des Brumes. Ouais.
Thank you.
bravoure et leur vaillance. Bienvenue chez nous, messieurs Robert Comte de l'Artois et messieurs Wilfried de Bordeaux. Dans un exercice de la force de derrière, debout sur leurs deux équidés, lequel des deux sera... Messieurs Robert d'Artois est bien habile et bien plus rapide, il a un tour d'avance. Plus que deux tours en présent. Car nous parlons de confiance, d'aisance et bien sûr de dextérité. Le geste est précis. Une annelle, deux annelles, hein. Ah non, une seule annelle, ma foi. Le geste est précis en plein cœur. Lâchez vous monter. Laissez aller. Oh, est-ce que le geste est précis? Ah oui, lâche est planté, mais point au centre, mon seigneur. C'est toujours messieurs Robert Comte d'Artois qui a l'avantage. Oui, magnifique là de Poirier. Fort bien. Il a le rythme dans la peau. Allez!
fracas des lances, juge leur adversité. Égalité pour cette première manche. Messieurs, Robert d'Artois, mise à la baille. Enfin, messieurs, Guillaume de Flandre, debout, chevalier, debout. Allons, écuyer. Récupère le cheval. Aidez votre adversaire à se relever prestement. Soyez chevaleresque. Thank you.